Et nous sommes de retour. Donc on a toujours ce petit problème de stuttering. Je suis allé sur mes anciennes parties. Donc le biome de base, pareil. À ce stutter, à toutes les 2 secondes à peu près. Bon, la base, elle est plus petite. Honnêtement, elle est un peu plus petite quand même. Mais il y a ça. Et après, je suis... Oh, tiens, il y a des bestioles. Ah oui, c'est quoi ça? C'est des trucs qui créent des... Oui, ça crée des monstres. Bon, c'est pas grave. On va aller les tuer. Bref, tout ça pour dire que... le biome de base, bah, lag, pareil, le même système. Mais le reste, non. Donc, c'est très étrange. Quand on change de biome, ça lag pas. Donc, je sais pas vraiment quoi faire, honnêtement. Si on va devoir jouer comme ça ici, ça va être bien bien relou. Et après j'ai regardé où j'avais fait mes plantes. Je l'avais fait sur un autre biome, les plantes. Et oui, je suis allé regarder aussi pour les ressources. Donc quand on les cultivera, en fait elles apparaîtront tout bêtement. C'est bien ce que je pensais. J'arrive pas à cliquer, quoi. On va aller détruire les bestioles là qui créent des monstres. Peut-être ça aussi, ça doit pas aider. Mais bon. Je pense qu'au final, on va pas créer notre biome là de récolte ici, en fait. Très bien. Oh! There's a lot of them inside. This might be difficult. Ouais, j'ai du mal hein, pour esquiver. Parce que ça pourrait être un bon emplacement, comme j'ai dit, hein, pour faire les récoltes, mais j'avoue que... Pff, c'est casse-couille, quoi, si ça lag comme ça. Je sais pas. Après, je me dis peut-être que si on reste suffisamment longtemps ici, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Là, ça m'embête. J'ai même envie de désinstaller le jeu en fait. Et le réinstaller. Oh. Que je fasse attention à ma vie encore plus là parce que on est mal équipé puis en plus je lag. This should stop them from gathering in this area and improve our chances of survival. Ok, très bien. Every bit helps. Puis après, je peux baisser les graphismes et tout, ça va rien changer. Hein. Ça va strictement rien changer. C'est la même chose. Après, c'est vrai que, comme j'avais dit, ouais, on avait une plus petite zone de... Mais bon, ça laguait pas, quoi, avant. Non, c'est pas... On va pas réduire la base, on va pas commencer à tout effacer. Ça laguait pas avant, point barre. Maintenant, ça lague. Ça vient d'autre chose. Point barre, ça vient pas d'ici, quoi. Enfin bref. Un truc avant de partir que je veux faire, c'est augmenter de niveau ça là. Et après on peut aller partir, on peut partir parce qu'on va pas rester là du coup. Ah putain, j'arrive pas à cliquer quoi.
Ah, ça va être bien. Si jamais on veut faire plus des matières premières là. Il y a un truc que je veux faire aussi, je veux monter à 300K. Autant monter à 300K. Ah oh, putain, pourquoi tu m'as décalé quoi. Ah, l'énergie ça pompe hein, avec ces trucs là. A small piece of comet has entered the atmosphere very close to our position. It looks like it's coming our way. Ok, très bien. 286K. Enfin, je voudrais bien monter à 300K, mais je crois qu'on va peut-être pas le faire ici parce que. Je sens que ça va prendre un peu de temps. Il faudrait faire des... ça aussi. Ça fait du ferronium. The comet will hit the surface soon. We have to investigate it. Allez! Allez, clique! Oh là là, vache! 11 millions. Ah, on n'était pas relié? En électricité, on était en local? Putain, j'ai pas de recherche. Putain, il faut qu'on augmente le QG aussi. Bon, vous savez quoi, on va faire le QG bah, avec du lag. Désolé, mais on va le faire. Hein. Parce que là, on peut pas ne pas le faire, il faut qu'on le fasse. Donc, go. Merde, QG et lag. Et après, on va changer de biome et je voudrais faire les plantes. Donc, on va aller sur un biome... Enfin, honnêtement, on peut le faire un peu n'importe où, c'est pas vraiment un problème. Puis après, on fait un avant-poste, puis on reviendra quand on aura des nouvelles plantes, etc. etc. Je vais juste attendre de voir la comète où elle va. On a moins de 10 000 d'énergie. 11 000, hein, ouais, ça fait un peu mal là. It's hit the ground. Let's head there quickly and see what we can learn. Moins 16 000 d'énergie. Je vais être honnête, je sais pas si on va pouvoir fonctionner avec à la journée. Hein. Carbonium. Il y en a beaucoup en plus. Ah putain, mais j'ai pas cliqué. Aïe 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 aïe, ça va m'énerver. Allez, casse-toi. Ok. Après, si on n'arrive pas à maintenir avec l'énergie, on peut désactiver les autres trucs. Là. C'est ça qui pompe le plus.
Je pense même qu'on devrait peut-être les désactiver. De là, on est à moins 17 000, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. En train de pomper tout le truc. Je voudrais bien qu'il fasse jour en fait. On va attendre. Putain, non, on est encore en pleine nuit. Ouais, non, ça, faudrait peut-être en désactiver quelques-uns. On peut les éteindre, je crois, par là. Alors, ce qui permet de mettre sous tension ou hors tension. Alors, on était à moins 16. Voilà, moins 14, moins 13, voilà. Peut-être un peu mieux déjà. Voilà, 8000, 7008, je pense que pendant la journée ça va mieux se passer. Après, je voudrais quand même encore augmenter notre réserve. Et après, on fera des réserves sur d'autres biomes. Allez, on va faire ça. C'est parti. On va tomber à court d'énergie. Non, on va pas tomber à court d'énergie. De toute façon, il va bientôt faire jour. Allez, vas-y. Go. Ah putain, juste là quoi. Oh la blague. Juste là, la grosse blague. Enfin, j'étais pas équipé aussi. Oh, ça va. Aïe 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 aïe. Je suis assez content, par contre c'est pour les plantes là. On va s'amuser à faire des plantes. En plus on a tout au niveau 3. C'est des IA là. Je crois qu'on n'en a pas vraiment besoin. Plein de trucs. Ouais, honnêtement, la base, elle est grave trop grande. C'est très très emmerdant pour garder un œil sur ce qu'on a augmenté. C'est pas vraiment utile de faire une base aussi grande. Mais bon, on a voulu faire un truc comme ça. On a fait un truc comme ça. C'est pas grave. Pas très grave en fait d'avoir fait ça, mais j'avoue que oui, c'est pas utile. On peut faire une, moi pour comparer à
comparer. Tiens, on est retombé à 5 millions. On était à 11 millions et quelques. Tu vas pas me dire que c'est ce que je viens de détruire quand même. C'est bizarre, je vois pas pourquoi on était sauté à. Parce qu'on n'était pas en local. Pourquoi on a sauté à 11 millions, on a doublé en fait. C'est ça qui est bizarre. Parce que je me suis dit aussi, le 11 millions c'est nettement trop, on n'a pas 11 millions normalement. Ouais, non, là c'est normal, on est à 5 millions d'énergie. Ouais, c'est bizarre. Enfin bref, ma base dans la première campagne, elle fait comme ça en fait. Elle s'arrête là, à peu près. Elle fait ça, elle s'arrête comme ça. Putain, désolé, hein, mais avec les likes, c'est relou de se montrer comme ça, et elle fait ça, quoi. Ouais, elle fait là, ouais, un quart, un tiers de cette base-là. Un quart, peut-être. Donc, ouais. Nous, on a toute cette partie-là qu'on pourrait détruire, et juste couper comme ça, en fait, on pourrait faire. Honnêtement, j'ai bien envie de le faire, ça, par contre. Genre virer tout ça là, cet emplacement. Parce que de toute façon on a des bâtiments ici, ici, et au centre quoi. Après bon on a des petits trucs un peu autour, mais j'avoue que cet endroit là c'était bien au début parce qu'il y avait du cobalt et on était obligé pour l'histoire. Mais j'ai bien envie de le tout détruire, on va peut-être faire ça après. Et genre fixer un mur entre les deux cailloux là. Ok, we're ready for them. Je voulais pas refaire tous les murs, mais bon, vu qu'on se fait attaquer. Puis là, il y a tout qui va sauter de ce côté-là, c'est une catastrophe. Ah, vous voulez du lag? On en a encore plus. Là. Enfin là on a du lag normal, mais c'est juste les stutters, là, ça devrait pas arriver quoi. C'est très bizarre. Bah après ça sert à rien d'augmenter tout si on va tout détruire après. Là par contre on peut augmenter. J'ai commencé à augmenter après la boue, hein, c'est ça? Ouais, après la boue. Ah oui, dans la journée on est à plus de 10 000 quoi. Plus 10 000, ouais. Plus 10K. J'avoue qu'on a déjà vu un peu plus fun, là. Regarder le jeu au ralenti comme ça, pas extra. Hein. Bon, fais voir un peu. Genre là, comment ça se passe?
Je sais même pas si j'arrive à tirer dessus. Non, si les balles elles passent. Voir un peu les dégâts. Ouais, ça va. De toute façon, ça va se faire réparer, ça va. Là, là par contre, il y a l'air d'avoir du monde. Je crois que le mur avait cédé en plein milieu, mais en fait non, pas du tout. Ah, ils rigolent pas ici hein, quand ils font des vagues. Oh là là! Ils sont passés? Ah non! Les abeilles là, de merde! This will buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ upgrade. Ah, j'aime vraiment pas ça. Faut qu'on sorte et qu'on aille voir où elles sont les abeilles là. C'est fait. Pas très bien fait, mais c'est fait. Ah, les murs, quasiment rien pris au final. On a un peu aidé, je suis d'accord, mais pas des masses non plus. Hein. Je crois que ces nouveaux murs là, ils aident énormément hein, quand même. Hein. On va remettre le... Attendez. On va remettre la récupération là de carbonium. Parce que là il y en a quand même beaucoup, 25 000. 25 000 c'est pas rien. Qu'est-ce que c'est horrible de jouer comme ça. Ok. Donc comme j'ai dit, on va d'abord couper le mur, on va faire ça. On va regarder aussi les augmentations qu'on a là qui sont disponibles. Puis après on va... on va partir. Peut-être qu'au final dans cet épisode on va juste refaire un peu la base, regérer la base et puis on va peut-être pas partir maintenant. Partir à la prochaine. À voir. On va voir. Alors normalement on devrait pouvoir faire des bâtiments en plus je crois, non? On peut... Pas. L'armurerie... Niveau 5. Niveau 5 c'est le maximum? Non, on peut pas faire de bâtiments en plus. Ok.
Bah du coup on a rien à augmenter. Qu'est-ce que je vais augmenter? Ah. Ça non plus. Ok, je pensais qu'on... sauvegarde. Je pensais qu'on allait avoir des trucs, mais non, apparemment non. Ouais, on est plus ou moins à la fin, quartier général niveau 7. D'accord. Et armurerie niveau 5. Non, d'accord, ok, on est au max, ok. Suffit juste de faire des recherches, quoi. Surtout les trucs aliens, là, qu'il va falloir découvrir. Camouflage extraterrestre. Oui, maintenant on a débloqué ça parce que on a analysé plein de trucs qui se rendent invisibles. Ça aussi c'est sympathique. Et sympatoche. Bon, j'avais dit qu'on voulait couper ce mur là, parce que c'est vrai que j'aime pas trop que la base elle s'étende. Donc, je vais voir, on va faire ça depuis ce mur là et on va couper là. Je crois que c'est le top. Hop. Ouais. Ouais, ouais, on va faire comme ça. Ouais. La merde que ça va être de faire ça en live avec du lag. Ouf. Je vais détester ma vie, ça y est. Et après ici. J'ai mis une... J'ai encore mis une tourelle au bon endroit comme d'habitude, hein, parce que... Casse-toi le machin là. Voilà. Allez. Merci. C'est vrai que j'aime pas les combats en pente là comme ça, mais bon, de toute façon on peut pas faire autrement quand c'est... Faut bien bloquer le bas quoi. Voilà, ce sera nettement moins chiant.
Toi, tu fais quoi? Toi, tu... Ouais, ça sera nettement moins chiant. Voilà, parfait. Un peu, ça c'est mur, mur, ouais, nickel. Là ils peuvent pas aller, y a rien à détruire. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, et maintenant on détruit tout ça. De toute façon. Ressources, c'est ça va quoi. Ah, on pourrait peut-être faire des ressources en plus, genre des boîtes en plus. Parce que là, j'avoue qu'on va quand même, j'avoue qu'on va récupérer pas mal de choses. Alors ça va pas être l'épisode super captivant, je pense, mais bon. Ah oui, il faudrait mettre un téléporteur aussi devant le mur là à gauche. Comme ça, on pourra le défendre. Ah, très bien. Et là, si jamais ça va sur le petit mur, hop, on se met là. Nickel, on a un météore qui arrive. On est à 304K, parfait. Parti. On va tout détruire. Pause. Vas-y, d'abord on va laisser le jeu tout détruire hein, parce que on a le météore au nord. C'était un météore ou pas? Parce que l'autre il a rien dit, Riggs. Je pense. Voilà, voilà. Déjà ça fera moins de zones à couvrir qui sont chiantes. Comme j'ai dit, hein, de faire des petites bases c'est bien, de faire des grandes bases c'est bien aussi, ça a des avantages. Mais après vous pouvez faire un truc super compact. C'est... En fait le fait d'avoir fait la grande base dès le début c'est bien parce que du coup on a plein de place. Parce que au début, comme j'ai dit, on a les objets niveau 1. Donc du coup par exemple si on veut emmagasiner beaucoup d'énergie bah oui bah, il faut beaucoup de niveau 1.
Sort ça aussi, on le détruit. Mais après, une fois que vous avez niveau 3, ça prend plus trop de place, quoi. Donc, vous pouvez faire un truc compact. C'est un peu comme vous voulez. Moi, j'aime. Là, on a. Ouais, non, je trouve que. Moi, je suis assez content de ma base. Voilà. Allez, putain, clic, bordel de merde. Je suis assez content de la base en général, elle est bien. Ah, je vais voir un peu. Non, non, elle est bien maintenant. C'est un carré. Là, c'est bien, on a pas besoin de bestioles. Pas besoin de bestioles, pas besoin de murs. Les bestioles peuvent pas passer, c'est ça que j'avais en tête. Non, non, elle est cool. Écoute, il y a beaucoup d'espace, quoi. Il y a beaucoup d'espace. Après, avec les batteries de trucs à plasma là, qui tirent méga loin, va falloir en mettre un peu partout, ça qui est chiant. Genre, faudra en mettre là, faudra en mettre là, parce que comme ça, ça couvrira toute une zone, une grande zone comme ça, en fait. On en mettra sûrement genre une là, tout comme ça, ça fera ça. Ouais, le problème avec une grande base comme ça, c'est que on va avoir des attaques en fait de tous les côtés sur la fin, je crois bien. Et du coup, ça va être un peu emmerdant à défendre. Enfin, non, enfin, c'est emmerdant dans un sens, oui. Mais pas vraiment, parce qu'il faudra juste mettre bah, plus de défense, quoi. Plus de tirs, plus de canons énormes, quoi. Et puis voilà, quoi. Comme j'ai... C'est logique, hein. Plus c'est grand et plus il y a à défendre, hein. Basta, hein. C'est tout, quoi. Donc si on arrive à mettre un nombre suffisamment de canons, on n'aura rien à faire, hein. C'est tout, hein. Après, c'est vrai que c'est un avantage, les petites bases, c'est marrant. Ah non, ça part pas, ce lag, hein, ce stutter. J'ai l'impression que c'est un peu mieux, je vais être honnête. J'ai l'impression que ça dure un peu moins longtemps, ou alors peut-être que je me suis habitué, bêtement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu moins grave. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va partir. Alors après, est-ce que c'est parce qu'on a enlevé une partie de la map? Ça m'étonnerait personnellement, parce que comme j'ai dit, hein, ça l'a jamais fait avant, donc je pense pas que ça vienne de là. Et comme j'ai dit, je suis allé sur mon ancienne partie, et la base, elle fait un tiers, un quart peut-être. Et ça le fait aussi. Il y a du stutter, donc ça vient pas de. Ça vient pas du fait que ça soit grand, quoi. Et puis ça le faisait pas avant, comme j'ai dit. Voilà, nickel. Mais ouais, du coup on fera la récolte de plantes là autre part. On prendra un biome tropical, je pense. Tropical parce que c'est fun. Comme j'ai dit, on peut le mettre partout, hein, on s'en fout. Mais tropical, c'est sympathique pour ça. Ça va bien ensemble, en fait. Ok, là, on l'avait fait. Je trouve que ça va bien dans l'idée de planter des plantes. En toutes sortes. Voilà, on est bon aussi. Donc, biome tropical avec plein de plantes. Voilà, dans la nuit, ouais. Pendant la nuit, c'est là où on... Où on perd en énergie, mais c'est pas grave. Avant qu'on parte, là-bas, on a du carbonium.
ciel. Ce qui est bien, c'est que les réacteurs, ils doivent marcher. Ah, là, il y a plus de... Voir ce que ça fait. Ah oui, non, ça c'est parce que l'autre il a été détruit, le machin. Donc ça on s'en fout, on en a plus besoin. En plus, c'est comme j'ai dit, c'était pas vraiment très très intéressant. Mais là, il y a 110K, ça baisse, c'est en train d'en créer, voilà. Le gaz, ça baisse très doucement. Ça passe la nuit. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Une bête perdue? Il me faut vraiment une porte là en fait pour aller plus vite. Hein. On est en angle, c'est un peu la merde. Il y avait une bestiole ici apparemment. T'en vois rien. Donc il est où mon truc? Ok, c'est quoi? Non, super. On va faire le tour vite fait. De toute façon l'épisode il va. On va être à la fin de l'épisode. Donc pas vraiment. Besoin de commencer une mission. Ah, ici on n'a pas... Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est le petit mur avec l'avant-poste. Okay. Ah, parce que là, à gauche, c'est fait. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça a été détruit, ça, à moitié détruit. Oui, on s'en fout de ça, oui. On avait dit qu'on s'en foutait, on le laissait exploser. Ah putain, ça n'a pas été augmenté, là. J'aime beaucoup ces nouveaux murs, encore une fois, je le répète, mais... Ils sont vraiment cool. Mur électrique. Ah là là, on est bon, on a tout fait. Alors, vas-y. Fais-moi rêver.
trouvé. Féromnium. Merde. Où est-ce que je relie l'énergie, moi ? Comme ça, là. Ouais, c'est bon. 42, 46, 51. Voilà, très bien, 56. Ouais, on est bon. Je me demande si on peut pas remettre carbonium au max. Vous savez, les bâtiments, les petits bâtiments qu'on a arrêtés. Ça aussi, on devrait... C'est là que je vais. Ça c'est quoi des niveaux 1 ? Non. Voilà, comme ça on n'aura plus ça là. Cette forme là dégueulasse. Voilà, très bien. On nettoie la base un peu. Après je me dis peut-être que ça va aider aussi avec le lag si on nettoie la base. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ça soit lié à ça. Mais ouais, là j'ai l'impression que ça lag nettement moins. Très bien, il y a là. Voilà, très bien. Ici, il y en a plein. Voilà, ça va, c'est bien. Putain, 47k quoi, plus 47k. On a 400% pour les éoliennes. Ouais, j'avoue que là, ça marche bien, là, du coup. Putain. Fini. Quand on a bientôt fini, on n'aura pas tout fait, hein, mais ce sera déjà sympa. Ça sera un peu plus joli au lieu d'avoir des icônes partout là, parce que c'est vrai que c'est un peu relou de voir ces icônes. Oh putain, là aussi il faudrait mettre un radar.
Après, je dis qu'on met, on doit mettre des radars, mais on est toujours pas au niveau 3. Hein. Parce que là, ça va augmenter la portée, en fait, hein, au niveau 3. Donc, en théorie, quand on sera niveau 3, on n'aura plus besoin. Enfin, on en aura besoin de beaucoup moins, c'est ça que je veux dire. The rain is over. Turns out that some things are not as different as back on Earth. Pourquoi tu me l'as fait enlever? Alors que c'est... Il y avait l'icône pourtant, bizarre. Non, on a presque fini. Voilà, et la prochaine fois, donc du coup... on devra aller sur un autre biome. Ça fait chier, mais on devra aller sur un autre biome et on va devoir... faire des plantes ailleurs. J'arrive pas à cliquer. Voilà. Genre ça là. Peut-être qu'on devrait les allumer. Cela au moins. Si au final on a assez de courant quoi. Voilà, au moins ça. C'est juste que quand on a beaucoup... Si ça doit pomper pendant un moment... Enfin, si ça doit en créer pendant un moment, c'est juste là qu'on perd beaucoup de... de puissance. Mais sinon... Après ça passe. Je crois qu'on va se téléporter sur un biome déjà, comme ça. Ça sera fait. Voilà, nickel. Ça doit être dans la base. Bon ben voilà, c'est déjà plus propre, c'est déjà un peu mieux. Il en reste encore, hein, mais c'est déjà un peu mieux déjà. Et là, j'aime beaucoup ce qu'on a fait, parce que cet endroit, c'était de la merde pour défendre. Donc là, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile. Voilà, on pourrait faire une base plus petite, mais honnêtement, on a vraiment des endroits de merde, nous, parce qu'on a des crevasses un peu partout. Enfin, des crevasses ou des montagnes, hein, peu importe. Mais à la limite, si j'aurais fait une base toute petite, je l'aurais faite ici. Parce que je crois que c'est l'endroit où on a le plus d'espace. Et puis, c'est pas très dur à défendre. Genre, on met des murs là. On met les... Là, on aurait ça, un mur naturel géant, là, de boue. C'est vrai que la boue, on la récolte même pas. On aurait de l'eau à foison, quoi. C'est abusé. Peut-être qu'après, on devra l'utiliser. Je sais pas. On verra. Ouais, peut-être qu'on va devoir l'utiliser, la boue. On verra ça. Mais ouais. Du coup... On va s'équiper... J'ai dit qu'on voulait aller dans un endroit tropical. Je vais vous montrer aussi avant qu'on parte. Je l'ai pas montré la dernière fois. Donc, je voulais vous montrer ça. Merde. Ah putain, mais je fais de la merde. Voilà. Voilà. Alors, par contre, c'est pas précis du tout. Hein. Vous voyez que les missiles, ils partent un peu n'importe où. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 4. Après, ça dépend des stats. Mais quand vous restez appuyé, ça fait ça. Bon, sans le lag, hein, le petit lag d'à toutes les 2 secondes. Mais voilà. C'est un gros bordel si vous en avez 2. Mais encore une fois, les dégâts sont pas énormes. C'est des petits missiles. Hein. C'est 43 de dégâts. Hein, alors que la mitraillette c'est 16 de la balle et nous on utilise du plasma, ça 78. Enfin voilà, vous voyez c'est très très bas. Pourtant c'est du bleu hein, mais genre ça c'est à 24 la balle le minigun. Là voilà. Après c'est différent, c'est pas pareil hein, bien sûr il y a plus de
Il y a des explosions et tout. Mais ouais, c'est sympa. Je trouvais ça sympa. Moi, je l'ai utilisé pendant un petit moment. Mais après, je vais être honnête, je suis retombé sur le minigun et le plasma parce que il n'y a pas grand chose. Ah, tiens, la sentinelle. Canon sentinelle en violet maintenant. Honnêtement, il n'y a pas grand chose de mieux. Je vais être honnête. On pourrait avoir deux sentinelles. Mais bon, j'aime beaucoup là, quand même la mine. Projectile partie rafale. J'aime beaucoup la mine. La mine gravitationnelle. Sont là en rouge. Bah quoi, on aura la tourelle en rouge à la limite, on l'utilisera. Après, je pourrais l'enlever à la place du. Pour mettre placeur. Bon, non, j'aime bien ces trucs-là. Mais ouais, voilà. Honnêtement, pour le moment, encore une fois, il n'y a pas mieux que le plasma et minigun. Le combo du plasma minigun, je vois très peu de choses qui peuvent gagner ça. Hein, qui peuvent. Ah, voilà, on va mettre ça. Qui peuvent faire mieux que ça. Hein. Ces types de dégâts, en plus, c'est bien parce que c'est à l'opposé. Et ça fait que tirer extrêmement vite. Moi, je vois pas du tout un truc mieux, quoi. Alors, comme j'ai dit, donc concentration de port d'extraction de cobalt. Oui, on devrait le faire là, mais le cobalt, on l'a déjà fait à la vallée métallique. Après, on pourrait faire la vallée métallique 2. Échantillon d'uranium, poste d'extraction de cobalt. Je vois un peu. On peut aller là, parce que là c'est une zone comme je veux pour faire les plantes. Mais bon, c'est une zone de cobalt. Est-ce qu'ils vont nous donner une mission ou pas? Ou ils vont juste dire ah ben regardez, il y a du cobalt. Ça, à la limite, on l'ignore le cobalt. On va voir un peu ce qu'ils vont nous dire. Rift jump successful. Initial scans indicate rich cobalt veins in the area, as well as multiple ironium and carbonium deposits. Great, that's just what we were looking for. We can set up a large mining base in this location to support our headquarters and rift station construction. J'ai peur qu'on doive faire ça. Alors après... J'ai envie de dire, ce qu'on peut faire, ça serait... Après, ce qu'on pourrait faire, c'est... On détruit l'avant-poste, que je crois que... Balai métallique. Il serait d'un ancien cratère. Non, on peut retirer l'avant-poste, on peut pas. Ah oui, il y a aussi là... Normalement, là, il y a des données que j'ai dans ma partie. Mais là, c'est que des missions à chaque fois. Objectifs locaux et tout ça, pour le moment. Donc, ouais, c'est vrai que là, à chaque fois, on a des missions. Box d'extraction de cobalt. Bah, à la limite, on peut le faire là. On peut faire les plantes et cobalt ici. Et puis la vallée métallique, bah, on s'en fout un peu, quoi. Je pense qu'à un moment, on pourra le retirer. Je sais pas pourquoi on peut pas retirer l'avant-poste. Je vois pas pourquoi. Après, ma question, est-ce que, à la limite, est-ce que c'est un problème d'avoir un avant-poste supplémentaire? Pas vraiment, parce que maintenant le truc il bouge tout seul.
pas besoin de... de l'alimenter et de revenir, donc on s'en fout. Par contre, il y a plein plein de trucs à analyser là. Oh. Les plantes et apprendre à toi. Ah, très bien. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que ça, c'est une zone sympa, en fait. Ah, putain. Est-ce que c'est une zone difficile ou pas? Ouais, menace élevée. Bon, allez, la prochaine, le prochain épisode qu'on fera, c'est ici. Et on fera donc une base plus ou moins géante. Enfin, pas géante, géante, mais une base ici. Et on fera donc un élevage de plantes. Avec du cobalt en plus. Parce que on en a besoin pour l'histoire. Alors, ce qu'on va faire, à la limite, on fera le cobalt en premier. Et si jamais il nous trouve une autre zone de... Ah putain, tropique. Désolé, à chaque fois j'oublie les noms. Zone tropicale. Peut-être qu'on ira. Je sais pas. Mais je pense que celle-là, elle est bien en fait. Hein. Que là ils nous disent de faire un avant-poste et tout, je pense qu'on pourra rester hein. Là on n'avait pas besoin de faire un avant-poste. Ouais, non, ici on pourra rester. On fera cobalt plus toutes les plantes, je crois. Ce sera tranquille. Voilà, ce sera tout. Sauvegarde. Je crois qu'il y a des endroits ils nous disent de mettre des avant-postes, des fois non. Là, ils nous disent de le faire, donc en théorie, on doit le faire là. Mais à des endroits, on doit pas le faire. Genre, par exemple, comme j'ai dit, la vallée du DLC, on n'aurait pas dû. Mais bon, ce DLC, c'est spécial encore. C'est nouveau, c'est exploration, donc je suis content d'en avoir fait. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!